Bonjour YouTube. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à vous dire concernant la plateforme d'Instagram. Comme vous pouvez le savoir, il y a énormément de faux comptes Instagram des stars qui vous promettent un iPhone gratuit. Bien évidemment, sur YouTube, on trouve énormément de contenu pour vous prévenir de ces éventuelles arnaques, car les réseaux sociaux sont devenus un terrain de jeu privilégié pour les escrocs. Le principe de ces arnaques sur Instagram est tout simple. Vous suivez une personne connue, prenons l'exemple de Greg Guillotin de la chaîne Nous. J'ai suivi son vrai compte certifié par Instagram. On sait qu'il est certifié grâce aux pages bleues à côté de son prénom. Bref, la chose importante, c'est que quelques secondes après, j'ai reçu une notification comme quoi Greg me suivait sur Insta. Chose qui n'arrivera sûrement jamais. Je suis allé voir son compte, bien évidemment, c'est à copier-coller du vrai compte du Greg Guillotin. Et de plus, il n'est pas certifié et il a presque pas d'abonnés, etc. Si cela reste comme ça, c'est pas grave, il cherche juste que vous suivez de retour et il vous supprime un ou deux jours après. Le problème, c'est quand ce genre de compte essaye de rentrer en contact avec vous en vous envoyant le premier message, toujours avec le même procédé. Tout d'abord, ils vous disent t'es choisi parmi une femme par hasard, ou tout simplement félicitations, t'es choisi pour gagner un iPhone 7. Vu que je suis gamin, j'ai joué le jeu avec un arnaqueur prétendant être Pat de la chaîne YouTube Pat la réalisation. Une fois que vous répondez une réponse qui leur convient, l'arnaque est mise en route et ils vont tout faire pour vous savoir. Et voici que je te demande des coordonnées, et voici que je te dis les informations ont été mises enregistrées, et voici que je te montre des photos pour que tu te rendes compte que ce n'est pas du fake. Là encore, pas d'arnaque, mais pour l'envoi des iPhones, va falloir faire une petite chose, l'appel d'un numéro fixe ou par téléphone. Et pas juste une fois, non, c'est trop facile, il faut appeler 3 fois et avoir 10 codes. Chose qui va vous coûter extrêmement très cher. Des personnes arnaquées ont été débitées jusqu'à 7000 euros, c'est juste de la folie. La seule manière de se protéger, c'est en mettant votre compte en privé et accepter seulement les gens que vous connaissez. De plus, ne pas répondre à ce genre de message serait aussi une très bonne idée. Je sais pas si avec ma petite vidéo, je vais réussir à éviter que d'autres personnes se fassent arnaquer. Je sais que la majorité des personnes qui se font arnaquer, ce sont que des enfants ultra fans de ces idoles. Et s'il vous plaît, faites attention. Au revoir, YouTube.